Salut tout le monde! Salut! Bienvenue chez Metal Minded, ce soir en compagnie de Rémi du groupe De Mal en Pire. Comment ça va, monsieur? Ça va bien vous-même? Ça va super bien! Salutations au monde dans le chat, le monde va commencer à arriver tranquillement, pas vite. Entre-temps, on va directement dans les choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on consomme ce soir? Donc Rémi, qu'est-ce que tu consommes ce soir avec nous? Une belle blonde lager désalcoolisée de la marque Sélection. Nice! Voilà. J'ai même entendu qu'il était comme quand même très passable, les bières de Sélection, genre. Ouais, ben moi, ça fait 2 ans, pratiquement 3, que je bois plus d'alcool. Donc, j'ai comme plus le goût. Fait que c'est comme mon placebo de bière. OK. Et bon. C'est l'alcool en tant que tel que tu n'aimais pas, genre juste l'effet. Donc, tu aimes le goût de la bière quand même. Exact. Ouais. All right. Ben, à ça, il y a une méchante belle gamme de bières sans alcool. Là. Tu sais, je travaille là-dedans. Puis, j'ai vu dans les derniers 2 ans l'explosion des microbrasseries qui se lancent tous à faire de la sans-alcool, tu sais, il y en a des excellents. Les amateurs d'IPA, là, moi, c'est la matinée de Ralbock. Je trouve que c'est comme la meilleure IPA sans-alcool. Top shape. Pour ma part, moi, je vais y aller avec une nouvelle brasserie que j'ai en boutique ici. La Fragment Fantôme de la brasserie Memento. À date, tout ce que j'ai goûté d'eux autres, c'est super bon. Celle-là, je l'ai déjà goûté, mais je l'ai racheté parce que je voulais la présenter. Parce que c'est un style que j'aime beaucoup, qui est une double IPL. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une IPL, dans le fond, c'est aussi appelé des Cold IPA. Fait que au lieu de faire une ale, tu fais une lager. C'est fantastique, c'est super bon. Puis j'adore leur style, leur artwork. Puis c'est une collabo avec Memento, avec Catarigine. Puis ils ont tout le temps des super belles histoires qui expliquent leur choix de bière. D'ailleurs, c'est pas elle que je bois ce soir, mais il y en a une qui s'appelle It's Not OK. Puis si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, c'est crissement une bonne West Coast IPA. Et ils l'ont fait avec une brasserie de l'Ukraine directement pour dire aux gens, regarde, c'est pas parce que vous n'entendez pas parler à tous les jours que ça va bien, nous autres. Là. Fait que c'est pour ça le It's Not OK. Puis de conscientiser les gens aux problèmes qu'il y a en Ukraine en ce moment. Puis je crois que un des brasseurs ou un des propriétaires de Memento a des liens en Ukraine, donc la raison aussi de cette collabo. Donc, bien sûr, je vais aller faire un petit crush vers nos partenaires et sponsors. Donc, n'oubliez pas d'aller voir notre belle gang de poilus de Qu'est-ce que c'est là? Pouilleuse Destruction, Horreur FM, Dr. Poivre et Crypt of Dr. Gore pour le meilleur contenu métallique, horrifique, voyage, n'importe quoi. Sinon, allez aussi voir nos sponsors, Pub à la dérive, Cordonnerie chez Jerry et Mélogie Musicraft. Donc, bien sûr, comme je le mentionne tout le temps, like, subscribe à tous ces beaux projets-là, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Ça coûte rien, ça aide tellement. Puis ça fait rien pour vous autres. Là. C'est juste, tu donnes un petit peu d'amour, ça aide tout le monde. N'oubliez pas de le faire à nous autres aussi, bien sûr. Ça nous aide. Donc, après ça, on fait un petit tour de table sur ce qui nous fait triper ces temps-ci. Donc, comme je dis tout le temps, que ce soit musique, télésérie, film, qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine. N'importe quoi qui nous a fait triper. Donc, Rémi, je vais vers toi. Qu'est-ce qui t'a fait triper ces temps-ci? Yes, écoute, on a parlé un peu tout à l'heure, mais en ce moment, c'est le WrestleMania Weekend. Donc, on est dans la lutte par-dessus la tête. Voilà. Est-ce que tu as la lutte qui joue on the side, genre, pendant que tu me parles? En ce moment, j'ai des chums dans le salon qui écoutent WrestleMania. Nice! Ouais, ouais, ouais. OK, tu fais le podcast ce soir, mais t'es comme là à moitié. Là, t'es comme, ah, j'ai eu le goût d'aller voir mon WrestleMania. Les gars sont smart, là, ils vont me repasser les matchs tout à l'heure. Là, donc, okay. Je manque à rien pour l'instant. OK, c'est good. Ben, on les salue d'ailleurs. si ils regardent l'épisode en même temps que le WrestleMania. Mes tâches. OK. À part ça, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais mentionner? Écoute, en frais de films, séries, peu importe, j'ai comme plus ou moins le temps de ce temps-ci. Le dernier film à laquelle j'ai littéralement buggé, là, ça a été Dune partie 2. Que j'ai d'ailleurs pas vu. Que t'as pas vu. C'est une nécessité si t'as,
Si tu as vu la partie 1, en plus avec Denis Villeneuve, un Québécois. Ouais, puis Denis Villeneuve qui fait des ravages côté film, là, on s'entend. Tous ses films, c'est des succès, puis des histoires intéressantes. Tellement hot ce qu'il fait, genre, sérieusement. Une méchante belle fierté. Vraiment. Alright. Ben, pour ma part, moi, ce qui m'a fait triper en fin de semaine, hier, j'ai fait du karaoké pendant beaucoup trop d'heures pour la vie. C'est pour ça que j'ai la voix un petit peu maganée aujourd'hui, mais j'adore faire du karaoké. Puis, pour ceux qui me connaissent, parce que dans le fond, il y a un app sur l'ordi qui s'appelle Ultra Star. Puis, c'est une communauté qui font des tunes de karaoké. Fait que tu peux faire des demandes, tu peux aider les gens aussi. Dans le fond, tu vas chercher les vidéos sur YouTube, puis tu les mets en background de ton karaoké. Fait que ce que ça fait, c'est qu'au moins, les gens qui sont autour de toi voient le vidéoclip jouer en même temps que toi, tu chantes du karaoké par-dessus. Fait que c'est vraiment très le fun. Fait que, Nice. puis on peut chanter quatre en même temps, genre. Fait que c'est comme, le monde, c'est du karaoké de party. Là, on a du gros plaisir. Puis, je suis rendu à au-dessus de 3 000 tunes sur mon application. Fait que, puis j'en ajoute tout le temps, là. Tu sais, toutes les fois que j'ai des demandes spéciales, ben, je vais faire des demandes ou je vais checker si je peux l'avoir. Fait que, il y en a pour tous les goûts, tous les styles. Même si tu veux chanter du baby metal en japonais, tu vas pouvoir. Ça va être très difficile, mais tu vas pouvoir. Sinon, à part ça, j'ai regardé un super de bon film hier qui s'appelle Nomadland. Film qui est sorti en 2020 avec une actrice que j'adore qui est Frances McDormand. Tous les films qu'elle fait, c'est juste. C'est beau, c'est une actrice tellement intéressante. Il est disponible sur Disney+. Il avait passé aux Oscars cette année-là, si je me souviens bien. C'est à propos d'une femme qui a perdu son mari, puis qu'elle vit maintenant dans sa van, puis elle vit une vie de nomade. Dans le fond, elle fait juste se promener partout. Puis, ce qui est intéressant du film, c'est de voir les différentes personnes qu'elle rencontre lors de sa vie de nomade, puis que tes rencontres pour très peu de temps, puis tu ne reverras plus jamais ces gens-là. Fait que ça fait comme. Elle vit beaucoup sur le moment. Fait que ça, c'est comme une belle prise de conscience sur vivre chaque moment. Puis j'ai adoré. Donc, Nomadland, disponible sur Disney+, pour ceux qui veulent checker ça. Côté musique, j'ai deux petites mentions que je voulais faire. Ben, trois. Dans le fond, j'ai écouté votre album beaucoup depuis qu'il est sorti. Je l'ai même fait écouter à mes voisins aujourd'hui en rentelant mon terrain et en faisant du ménage dans ma cour. Donc, tout le petit voisinage ici connaissent de mal en pire, que ce soit pour le bon ou le pire pour eux. sinon, les deux autres mentions que je voulais dire côté musical, c'est Sivaris, qui est un Black Death Doom très caverneux, mais intense, mais bien balancé dans le caverneux. Ça m'a surpris parce que tout ce qui est trop doomy, des fois, ça me tue, genre. Puis ça, c'était juste bien fait. Sérieusement, Sivaris, l'album s'appelle Maze Envy, sorti le 22 mars. Vraiment très bon. Petite mention québécoise, encore une fois, le groupe Givre ont sorti leur album Le Cloître, un black metal froid, comme il se fait au Québec dans le black metal, on s'entend. Très, très bon. Je suis tombé en amour. Celui d'avant, je l'avais moins aimé un peu. Celui-là, il vient vraiment me chercher. J'adore. Donc, Givre, Le Cloître. Il est sorti le 29 mars, lui. Des petites salutations dans le chat. Il y a Matt Tessier qui dit salut, Yolain et Rémi. Salut, Matt. Je me doutais bien que tu allais être là, toi, ce soir. Notre chum Danny est là aussi. Salut, les boys. Tata Boutlamine, il dit le dernier Givre est crissement bon. Je suis d'accord avec toi. Il est insane. Vraiment, vraiment, là, gros coup de cœur pour ce release de métal noir québécois. Donc, on arrive au moment de l'entrevue. Comme d'habitude, ma première question est toujours un peu la même. Donc, de mal en pire, vous êtes qui, vous êtes quoi, depuis quand? Une brève histoire sur l'historique du groupe. Eh bien, brève histoire. C'est une histoire qui est un peu compliquée parce que c'est une histoire qui a commencé un peu avant la pandémie, donc avant la formation officielle du groupe. Petite parenthèse, mon enfant, j'ai tout le temps été chanteur, là, ça a été ma position dans les bands que j'ai eues. Puis j'ai décidé de changer un peu le temps en prenant de la guitare.
pour pouvoir composer mon propre matériel. Fait que ça fait un petit bout que l'idée d'avoir un band, les premières esquisses de composition a débuté. Par contre, la concrétisation de ma lampire, ça s'est fait durant la pandémie, donc c'est plus 2021-2022. Puis, je me suis greffé de gens qui m'entouraient de la musique, des gens auxquels que j'ai déjà eu des bands avec eux, etc. Donc, nous voilà aujourd'hui fringants et avec un album. C'est bon, ça. Ben, regarde, parlons de cet album-là. Puis là, je ne sais pas si je vais bien le dire parce que je ne suis pas certain comment que tu veux qu'on prononce le nom de l'album, mais Samo, qui est sorti le 15 mars 2024. Parle-nous, puis dis-moi si, comment bien le dire, au pire, là. Mais qui est en quoi, comment pour cet album-là? Là? Un peu tout ce qui entoure le release de cet album-là. Ben, le nom de l'album se prononce de la même façon que certains des titres de l'album se prononcent, c'est-à-dire sans mots. Le S-A avec la vague qui est un accent tilde, M-O, c'est dérivé d'un langage qui est phonétique. Dans le fond, ça faisait référence surtout aux homophones qu'on incluait dans notre listing de noms de chansons. Fait qu'on a sans mots C-E-N-T-M-O-T-S, on a C-E-N-M-A-U-X. On a 100 mots comme pas de mots, puis on a 100 mots MRX. Donc, c'est vraiment plus pour faire un rappel à ce petit, pas ce constat, mais ce petit Easter egg, je peux dire ça comme ça? Ouais. OK, ouais. Tant qu'à aller dans l'intellectualité de se péter la tête à faire un concept, etc., on a décidé de pousser la donne un peu plus, en incluant également le nom de l'album avec un langage phonétique. C'est aussi pour faire un rappel que nous, c'est en français, puis c'est un domaine qui est largement dominé par l'anglais, le métal, la musique en général. Donc, on va faire un nom d'album que toutes les langues peuvent prononcer, fait que de là, d'aller puiser dans le langage phonétique. Ouais, c'est cool, ça. Tu vois, je savais que je le disais mal, puis j'étais comme... puis je l'avais pas catché que c'était la phonétique, fait que merci pour ça. Donc, pour cet album, sans mots, avec qui vous avez travaillé, comment vous avez enregistré ça, quel a été le processus pour l'album? Ouais, on a travaillé avec Maxime Lacroix chez House of Gain, Rockstone Pound. Max, qui est quelqu'un qu'on connaît depuis quelques années déjà. Dans le fond, on s'est dit, s'il y a bien quelqu'un qui va nous comprendre, que ça va être facile la communication, trouver notre son, etc., ça va être ce gars-là. Puis, ben, heureusement, Guts a eu raison parce qu'il nous a pris en 3 secondes, puis c'était super facile de travailler avec. Fait qu'on a eu une approche qui était assez organique. Là. Dans le fond, moi, j'ai enregistré les guitares avec un bon vieux GM Marshall 800. Des années 80 avec un Sun Solaris des années 60 avec un bon pedalboard. C'est comme ça qu'on a eu notre son organique, puis ben, tout le reste, c'est 100% organique, on s'entend. Là. Donc, ouais. Ah, super. Puis, parle-nous de la pochette. Qu'est-ce qu'elle représente, cette pochette-là, pour l'album sans mots? La pochette... Et c'est un choix délibéré là, qu'on a décidé que ça soit vague, que ça soit plus place à l'interprétation. Pour faire un rappel, en fait, pour que je puisse parler de la pochette, il faut que je parle un peu du contenu de l'album, qui est dans le fond un gros concept qu'on a créé, qui est un choix narratif, etc. Puis tout le long de l'album, en fait, on a décidé d'enlever des éléments clés pour pouvoir laisser place à l'interprétation à l'auditeur, à le lecteur qui va lire les paroles, s'il en existe encore dans ce monde. Donc, c'est moi ça. Bon, voilà. Fait que tu sais, quand tu lis les paroles, puis que tu écoutes l'album, puis que tu commences à greffer à l'énergie, la vibe, entre guillemets, puis après ça, tu regardes la pochette, ben tu sais, c'est comme ton travail de voir son sens. T'sais. On a une main qui est comme l'élément central, avec plusieurs cercles, nanana. Fait que, tu sais, il y a des rappels de thématiques d'eau, il y a des... Dans les paroles, on parle souvent de main, puis des trucs comme ça. J'en dis pas plus, parce que je veux pas comme briser la dite magie,
Mais la main, dans le fond, c'est moi qui l'ai affectionnée. Puis c'est une main qui est positionnée de sorte à ce qu'elle ait plusieurs références. T'sais, ça peut être une main qui est tendue pour aider. Ça peut être une main qui est tendue pour quémander. C'est aussi une main, exemple, t'sais, l'action de demander de l'argent. Tu vas Non. faire ça. Fait que, rendu là, c'est au lecteur à trouver son sens là-dedans. OK. C'est vague, mais c'est voulu. Non, mais c'est parfait. C'est intéressant, ça, parce que c'est un autre aspect de la musique de te rendre à un point d'avoir un concept, d'avoir des paroles qui sont importantes, qui ne sont pas juste écrites pour être écrites. Il y a une raison à chaque chose. De la Exact. pochette jusqu'aux paroles. Tu sais, c'est, pour moi, c'est super intéressant. Parle-nous de ça aussi, votre décision d'utiliser le français. Énormément de poésie aussi dans ce que vous faites, dans la formule lyrique des chansons. Donc, parle-nous de l'utilisation du français et de l'utilisation de la poésie. En fait, l'utilisation du français, c'est venu vraiment tard. Dans le fond, je te dirais même que ça en est venu lorsqu'on est en studio. Parce qu'à la base, j'avais écrit des paroles qui étaient 100% en anglais. Puis c'est au moment venu de venir les chanter, parce que j'ai aussi le chapeau de chanteur dans le groupe. C'est venu au moment de les chanter qu'il y avait un blocage de ma part, puis vraiment sonore, tu sais, juste dans la façon que les mots étaient placés. Puis on s'est réunis, les trois gars, à ce moment-ci de l'enregistrement de l'album. On était moi, Mickaël, Fred. Puis on s'est dit, il y a quelque chose qui cloche, mais on n'était pas capable de mettre le doigt dessus. Fait qu'on s'est dit, on l'essaie ça en français juste pour voir. T'sais. Ça, c'est une idée de. C'est comme un bucket list qu'on avait, les gars ensemble, de vouloir faire un produit français éventuellement, mais que ça n'avait jamais donné. Finalement, fait, on a mis une halte à l'enregistrement du vocal. On a tout réécrit les paroles. On a modifié certains passages de la musique pour pouvoir être en symbiose avec les dites paroles. Puis ça a coulé en 2 secondes, là, on a vu, OK, c'est vers là qu'il faut aller. Puis pourquoi qu'on a été vers la poésie? Moi, puis également le drummer, Fred, on est des gros fans de musique française, là, que ce soit Charles Aznavour ou, mettons, Pierre Lapointe ici au Québec. Là, je dirais que c'est pas très métal aimer Pierre Lapointe, mais quand tu écoutes des albums comme Le Sentiment humain, puis tu te rends compte, OK, même si c'est pop, c'est dark. Aucun bon sens à quel point c'est dark et suicidaire en même temps. Puis, tu sais, c'est des gars qui utilisent la poésie à un autre niveau. Fait qu'on est comme inspiré de ce style d'écriture-là. Puis avec le français, ben, tu n'as comme un peu pas le choix d'aller vers cette tangente-là, parce que ça peut devenir quétaine assez rapidement si on se base à nos différents référents de musique québécoise ou française ou ce qui passe à la radio, etc. Fait qu'on a été dans une écriture un petit peu plus poétique. OK. Ben, tu me fais tellement penser. Je suis tombé en amour avec un album récemment. Je sais pas si tu connais le groupe Mangeur de rêves. Ça me dit rien, non? OK. Dans le fond, j'ai reçu le groupe Void Chaser au OK. podcast dimanche dernier. Ou l'autre d'avant. Je suis plus certain. Je pense que c'est peut-être l'autre d'avant. Puis il y a un des gars qui mentionne dans l'épisode que il est dans un groupe de rock progressif folklorique. Qui s'appelle Mangeur de rêves. Ils ont sorti un album en octobre 2023 qui s'appelle Vivre et mourir. Va écouter ça. Tu viens de m'allumer sur le fait qu'il faut absolument t'aille écouter cet album-là. Parce que toi qui aimes le côté dark, le côté poésie, tu sais, moi j'ai sur notre épisode Metal-Minded, quand je l'ai écouté après, j'ai dit My God, c'est comme si Okoumé avait fait un enfant avec Pink Floyd. C'est vraiment la vibe que ça me donne, Mangeur de rêve, puis je suis plus capable d'arrêter de l'écouter. C'est comme sans arrêt. Fait que c'est ma grosse découverte. Je viens de le mettre dans ma librairie. Fait que Ah je oh, il faut. vais Puis tu m'écriras pour me dire à quel point tu as trouvé ça cool. mais oui, j'adore. J'étais un gars de poésie. Au secondaire, j'étais à l'école internationale.
puis tu as un projet personnel à faire à la fin de ton secondaire. Puis c'est ça que j'avais fait. J'avais fait un recueil de poèmes complet de mes écrits à moi, genre. Fait que moi, la poésie, ça vient énormément me chercher. Est-ce que vous avez utilisé, en fait, des techniques précises de poésie sur certaines chansons? Est-ce que vous Non, avez ben, eu... on a une qu'on s'est donné un défi musical, c'est 100 mots, CENTMOTS, qui est dans le fond une chanson qui a 100 mots écrits et chantés. Mais c'est une minute, c'est une toune de 4 minutes quelques. Fait que rapper ça en 100 mots, c'était quand même. Faut que tu fasses attention à tes silences, etc. Il n'y a pas de, structure à proprement dit dans le reste de l'album. Je suis sûr qu'à ce moment-là, c'est difficile aussi quand que les chansons sont déjà conçues. Comme je mentionnais, on a fait des ajustements, des modifications, scratcher des bouts. On en a composé des nouveaux en studio. Mais ça va être plus pour un deuxième album où ce que on va avoir un peu plus de latitude, on va être moins serré dans le temps. Puis on a quand même réussi à faire une belle job, je crois, en le temps qui nous était donné. Puis, tu sais, de pouvoir faire un concept aussi avec ça. Mais là, avec un deuxième album, un petit peu plus de latitude aussi, là. Est-ce que vous avez tiré inspiration de d'autres artistes, justement, comme le style lyrique ou la façon de bâtir les chansons, ou vous vous êtes vraiment allé avec ça va bien avec qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Puis est-ce qu'il y a eu inspiration ailleurs que juste comme qu'est-ce que vous vouliez faire? Ben, en frais de parole en soi, je dirais que non. Par contre, l'album en soi a certaines balises d'inspiration. J'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, mais tu sais, moi, je me suis inspiré du naufrage de la Méduse, donc le radeau de la Méduse, qui est comme une histoire tragique qui a été capturée en peinture par Théodore Géricault, un artiste français. Je me souviens plus des années, par contre, mais c'est quand même assez vieux. On parle de 1816. Ouais. Fait qu'il y a certaines balises qui ont un peu des points narratifs de départ. Est-ce que c'est un calque, un copier-coller? Non, vraiment pas. C'est plus pour le côté tragique de naufrage, etc., qui moi, m'inspire beaucoup. Fait que des fois, j'avais juste le tableau, puis j'essaie de composer des lyrics juste en m'inspirant de ce que je voyais visuellement. Donc, le tableau qui est statique. Mais en frais de structure de phrase ou de mots, pas d'inspiration, on n'a pas été volé du stock, comme on dit Non, je pensais là. peut-être, c'est comme certains poètes ou certaines... Tu sais, ça me fait penser à une époque où ce que le groupe Les Goulunatiques aussi avait sorti un album complètement en français comme ça. Puis ça avait inspiré de certaines de OK. certains artistes poètes puis ces choses-là. Je sais pas si tu te rappelles là, de ça, Les Goulunatiques, là, mais il avait vraiment fait un album en français que j'avais vraiment adoré. Puis par la suite, ils s'avaient disbandé, mais sont revenus là, il y a quelques années. Je trouve ça super important, tous les textes. Je suis quelqu'un, comme je te dis, j'ai écrit de la poésie, je suis chanteur moi aussi, je l'ai été dans quelques groupes, fait que ça m'intéresse énormément ces choses-là. À quel point les textes sont importants à toi? Est-ce qu'il y a il y a un lien entre tous les textes de cet album-là? Ou c'est vraiment un peu qu'est-ce que tu mentionnais avec la pochette en bout de ligne, c'est vraiment de laisser les gens explorer et interpréter à leur propre façon. Je dirais que c'est un peu des deux. C'est sûr qu'il y a une suite qui est narrative. Il y a un point de départ, il y a une introduction, il y a un développement, des péripéties, puis une conclusion. La conclusion est assez claire. Si on suit les paroles, on sait un peu qu'est-ce qui se passe. C'est plus entre le début et la fin que, tu sais, moi, j'ai fait un schéma de l'histoire que je voulais raconter, puis j'ai enlevé des pièces du puzzle pour pouvoir justement laisser place à l'interprétation, pouvoir. Tu sais, parce que je donne un exemple, quand j'étais plus jeune puis que j'écoutais de la musique, j'écoutais de la musique anglophone, mettons les metal que je suivais dans mon temps, plus le nu metal, fait que les Slipknot, les ci, les ça. Quand tu n'as pas une compréhension d'anglais à 100%, tu viens qu'à faire ta propre interprétation parce que les gaps que tu n'es pas capable de comprendre, c'est la musique qui va te donner la définition, si on veut. Oui. Tu vas mettre la musique, tu vas, ah, OK, c'est
plus tranquille. Fait que, tu sais, puis je voulais un peu recréer cette nostalgie-là que moi j'avais avec l'album. C'est pour ça que j'ai enlevé des éléments clés. Puis, tu sais, pour pouvoir voir si j'étais sur une bonne voie, mes proches, je leur envoyais les textes, puis je leur disais, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça dit selon vous? Puis il n'y en a pas une personne qui m'est arrivée avec la même réponse. Fait que je dis, OK, je pense que je vais être sur la bonne voie de ce que moi je veux créer. Donc, okay. Voilà. Super. Tout récemment, sur vos réseaux sociaux, vous avez lancé votre nouveau vidéoclip qui est Délire Mantique. Vous êtes quand même très actif par rapport au côté avoir du contenu visuel par rapport à l'album. Que ce soit côté vidéoclip, lyric video, playthrough, tout ça. Parle-nous de l'importance d'avoir du visuel pour le groupe. À quel point, pour vous autres, d'avoir un vidéoclip officiel, c'était quelque chose que vous vouliez absolument faire, puis à quel point c'est important? Nous, dans les ébauches de sortir cet album-là, on voulait essayer de se greffer à une compagnie de disques, puis... Finalement, sans vouloir trop me prononcer, il y a une compagnie de disques qui était super intéressante, mais qui nous mettait dans une attente qui était maladif. Un point tel où que si on avait été de l'avant avec eux, le band serait mort parce qu'on aurait dû attendre jusqu'en 2025 avant de pouvoir sortir cet album-là. Puis cet album-là est en main depuis 2022. Ça fait quand même déjà 2 ans qu'on l'a sous la main. On se dit, hey, attendre un autre temps, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on s'est dit, on va y aller DIY, avec indépendant. Mais pour être indépendant, puis que ça ne passe pas dans le bar, puis que ça ne soit pas juste moi et papa qui écoute l'album, il a fallu vraiment manger nos croûtes, puis faire une campagne marketing qui était le plus optimal possible. Moi, parallèle à ma vie, j'ai une formation en marketing web, donc ça me donnait un gros coup de pouce à savoir quoi faire, pas quoi faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un release plan. J'utilise gros des termes en anglais parce que ça existe plus ou moins en français. Là. Ouais, du moins, ouais. pas dans le domaine. Mais dans le fond, c'est qu'on a fait une planification. On l'a séparé en 3 phases. Fait que là, en ce moment, on est dans la phase post-release. On a eu le pré-release, on a eu le mid-release, donc pendant le lancement. Puis c'est ça, le post-release qui est comme les dernières esquisses, l'exemple, le vidéoclip de Délire Mantique, il va y avoir quelque chose la semaine prochaine, puis encore dans 2 semaines. Après ça va être un petit peu plus tranquille parce qu'on va se concentrer sur les shows. Donc, voilà, c'est une grosse job à ce niveau. Puis, c'est quand même important parce qu'à cette heure, c'est fou comment il y a du contenu sur Internet, là, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, Spotify, des bands, il y en a. Puis c'est facile de se faire submerger puis d'avoir sortir un album puis que tu as 10 listeners par mois sur Spotify, tu sais, c'est comme pas normal. Il faut vraiment que tu te battes contre l'algorithme. Puis comment tu peux te battre contre l'algorithme? C'est en faisant du contenu. Souvent avec les bands, c'est qu'on n'est pas des YouTubers, tu sais, c'est pas ou des TikTokers où tu sais qu'on peut pondre du contenu. Tu peux en faire, mais il faut que ça soit de qualité pour être pris au sérieux. Fait que c'est vraiment beaucoup d'investissement. D'énergie et de temps. Ouais. Tout ce qu'on a fait, mais... Ça m'a amené à un genre de questionnement aujourd'hui, ça, en prenant mes notes avant l'épisode. Je me disais, à quel point... Tu sais, comme, oui, créer du contenu, c'est super important. J'en fais partie, là. On est là-dedans, nous autres aussi. C'est ce qu'on doit faire. Faut continuellement avoir du nouveau, du stock à dire, rester à l'affût des nouveaux artistes, dont vous, tu sais, sortir un album. Mais à quel point que c'est aussi important d'avoir un vidéoclip que ça l'était auparavant? Je m'explique. Tu sais, l'époque où ce que tu fais partie de la même génération que moi, là, tu t'installes en avant de la TV puis tu regardes les nouveaux vidéoclips pour connaître qu'est-ce qu'il faut que j'écoute. Là, tu sais. C'est genre, oh my God, ce vidéoclip-là, il est cool. Mais tu sais, à quel point à cette heure, aujourd'hui, c'est important d'avoir un vidéoclip? Est-ce que les gens vont juste mettre la musique de YouTube en background? Est-ce qu'ils vont regarder le vidéoclip? Est-ce que le message va passer au travers de ton vidéoclip par rapport à ce que tu voulais faire? Je te demande, là, juste de même, pour toi, à quel point que c'est important qu'un groupe ait un vidéoclip maintenant? Ben, c'est difficile à dire, puis je pense que c'est
C'est une réponse qui va être différente pour chaque musicien, chaque artiste, chaque band. Pour ma part, tu sais, je suis très archaïque dans ma façon de procéder. Et nous, on a souvent comment je peux dire ça, quand un band sort, la première chose qu'il doit faire, c'est sortir un démo ou un EP ou whatever. Tu sais, on a sorti un album qui dure 49 minutes. Fait, on est comme dans cette mentalité-là que la musique, ça s'écoute en format album, ça prend un clip, ça prend. 100% d'accord avec toi. Puis ça, ben, tu vas attirer le monde que c'est important pour eux. T'sais, tu vas créer ta niche à partir de ce que tu penses aussi. T'sais, exemple, toi, tu aimes ça les vidéoclips, etc. Tu aimes les albums. Ben, peut-être que Ben va un petit peu plus te parler qu'un Ben qui fait juste des singles, mettons. Non. Nous, on essaie de construire notre niche par rapport à notre persona à propre à nous, c'est-à-dire justement des gars archaïques qui sont comme restés dans les années 90, début 2000. OK, question pour toi. Est-ce que tu utilises encore Winamp sur ton ordi? Non, non. Parce que moi, oui. OK. Ouais, j'ai quelques aspects qui se sont modernisés. Mais bref, tout ça pour dire que pour nous, c'est important. Puis, tu sais, un bon vidéoclip, ben, ça reste aussi. Puis, si jamais ton objectif, c'est d'aller viser plus haut que juste faire du local, Québec, etc., ben, c'est important pour les autres instances, comme on dit, là, les personnes de label, tu sais, vont regarder ça si t'as des clips, si t'as des lives, si t'as des ci, des ça. Tu sais, si t'es actif, t'es capable d'en faire du stock. Puis si t'as le following qui suit aussi, là, c'est sûr que c'est important. Mais ouais, fait que, tu sais, pour moi, les prochaines esquisses musicales qu'on va rassembler dans un projet vont probablement être encore un album. Il va y avoir des clips qui vont accompagner tout le tralala. C'est un peu notre philosophie de choses. Ah, moi, je suis 100%. Tu sais, moi, des groupes à singles, j'ai un peu de misère avec ça parce que j'aime jamais me spoiler un album. Autant que j'aime pas ça regarder un trailer de film, j'aime pas ça écouter un single d'un album avant que l'album sorte. Tu sais, j'ai quelques exceptions, tu sais, de mes groupes préférés. Genre, je vais faire comme, ah oui, je vais écouter le single, je suis ben trop excité. Mais je veux dire, en général, je vais toujours attendre l'album pour écouter ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils ont à me proposer, parce que j'ai pour mon dire qu'un album, c'est une œuvre à part entière. Tu commences l'album, tu finis l'album. Exact. Tu peux pas juste écouter une toune. Pour moi, ça fonctionne pas, ça. Tu sais, j'écoute pas de playlist, moi. J'ai aucune playlist de comme juste du random. J'haïs ça pour mourir. J'adore écouter un album du début à la fin. Tu sais, si j'ai un mood de je tombe aujourd'hui, j'ai le goût d'écouter De Mal en pire, mais je veux l'écouter au complet. Je veux pas juste écouter une toune. Fait que moi, ça, je suis très, très, très d'accord avec toi. Je suis très archaïque pour ça, moi aussi, là, tu sais. Tu mets un CD, tu l'écoutes. Tu Exact. skippes pas de toune, tu l'écoutes. C'est de A à Z. Puis quand il est fini, là, on va choisir un autre CD. D'ailleurs, un de mes chums, on se faisait des soirées de ça. Genre, j'ai une collection de CD, puis on allait random dans ma sélection. Je clique. Bon, ben, on écoute ça. Puis là, on commençait à écouter ça. Puis là, ben, next, c'était mon tour. Prochain CD. Tu sais, entre-temps, on faisait autre chose. Tu sais, on pouvait être en train de jouer un jeu de société ou quelque chose de même, mais la musique se faisait choisir par CD, chacun notre tour. Tu fouilles, puis tu t'amuses. Le bon but. Le bon vieux temps, mais encore aujourd'hui. Puis je l'ai instauré à ma fille Alice. Elle aime ça. J'ai une table juste à côté de moi, genre juste là. Puis c'est là qu'elle fait ses Legos. Fait qu'elle s'installe face au Lego, elle va fouiller dans la collection de CD en face de moi, elle retourne, elle le met dans le. Puis elle n'a aucune idée qu'est-ce qu'elle écoute, là. Comme là, l'autre jour, elle a pris l'album de nos amis Metal Noir québécois, Hivernat. Ils sont cachés, le posture est caché en arrière, là. Mais Hivernat a énormément de folklorique dans leur musique, tout ça. Puis elle était super fascinée par ce qui se passait. Genre, il y a de la clarinette, puis toute la kit là, dans ce groupe-là. Fait que c'était comme vraiment intéressant. Genre, elle a super aimé ça. Au hasard. L'autre côté que je trouve vraiment intéressant, puis tu sais, ça s'explique parce que tu me dis, tu travailles en genre de marketing, un background de marketing. Fait que je vois un peu cet aspect-là dans vos réseaux sociaux parce que bien sûr, je fais énormément de recherches quand je fais une entrevue, je me promène un peu partout et je tombe sur votre site web officiel.
qui est une bombe. C'est beau, c'est visuellement bien bâti. T'arrives, t'as comme un genre de loading. Après ça, t'as comme le vidéo qui joue en background. Tout est bien organisé. Puis c'est comme, c'est marquant tout de suite en partant. Fait que parle-nous de ça, l'importance d'avoir toutes vos affaires drettes, organisées, bien, beau, visuel, tout le kit. Parle-nous de ça, cet aspect-là. Puis le site, top shape, là, j'ai adoré ça, là. Quel beau site web. Merci. Ben c'est sûr que c'est ça, j'ai fait une formation qui touche plusieurs aspects. Donc, je parlais de marketing web, on a du design web, on a du développement web également. Donc, c'est tous des petits atouts que je me suis greffé qui, heureusement, et pour moi et pour le band, c'est que ça se transmet hyper facilement dans le domaine de la musique. Puis le désir de bien vouloir faire les choses. Moi, j'ai comme pour optique que quand tu ponds quelque chose sur Internet, c'est là pour rester. Fait que c'est aussi bien de le faire de la bonne façon, puis que ce soit le plus adéquat possible, comme je pourrais dire. Je vais prendre le temps de regarder les photos que je mets sur Internet, peu importe. Fait que je suis vraiment picky, là, comme on dit. Mais ouais, c'est plus dans cette mentalité-là qui est un peu malade mental à certains égards, là, mais tu sais, je me dis, ben, tant qu'à le faire, on va faire quelque chose qui n'a pas de l'air boboche, pas de l'air fait sur le coin d'une table. Puis, tu sais, les vidéos, on va prendre le temps de bien les faire. Puis, tu sais, c'est ces aspects-là qui gravitent. Puis, tu sais, qui donnent aussi de la prestance au brand, tu sais, au band de Malempire. Nous autres, on veut que les gens, quand ils regardent de Malempire, qui plongent dans un univers, puis qu'il y a la qualité qui est livrée également. Fait que c'est sûr que tout est DIY. Je ne dis pas que je suis une sommité dans tous ces aspects-là, mais ça aide, là. Puis ça permet aussi d'économiser énormément d'argent. Ouais, ben c'est ça, tu fais tout toi-même. Là, mon père dans le chat, quand je parlais de ma fille, qui dit « Ah, ça, c'est ma petite fille. » Puis qu'il nous a fait un beau don à Metal Minded de 2,79. Merci, merci, Let's merci, go. merci. Toujours bien apprécié. En sérieux, j'ai adoré, tu sais, faire un peu le deep dive là, dans vos affaires parce que tout est tellement bien organisé, tout est tellement beau. C'est facile de trouver de l'information aussi, dans le sens que tu veux un peu un background sur vous autres, sur l'histoire, tout ça. Tout est un peu disponible partout. Vous êtes transparent à ce point-là. Avec ça, j'adore ça. J'adore tous ces éléments-là. On t'a parlé des spectacles qui s'en viennent parce que là, vous êtes dans la troisième phase de votre release d'album, puis après ça va être les spectacles pour l'été. Ce qui est pas mal ce qui se passe pour tout le monde. Tu sais, tu releases de quoi, après ça, tu t'en vas puis tu fais des shows. Il y en a quelques-uns d'annoncés directement sur votre beau site web. Puis, il y en a un plus particulièrement que moi, je veux mentionner. Dans le fond, c'est à cause de ça que je vous connais. C'est mon chum Matt du groupe Vast. Donc, le festival lourd, Matt, qui est un chum depuis longtemps, on a même déjà été dans un groupe ensemble à l'époque, qui était mon premier groupe de musique, Return to Strength. On avait eu du fun dans ce temps-là, c'était pas mal cool. Mais justement, Matt, il est dans le chat qui dit les autres membres sont gênés du band et de Metal Minded. Ouais, je suis trop intimidant, Matt. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Il y a juste Rémi qui a été mis, genre, il s'est fait pousser en avant des autres gars, genre, c'est toi qui vas faire l'entrevue. Mais ouais, c'est ça. Donc, je voulais vraiment mentionner ce beau festival qui s'en vient ici en Outaouais, qui est le festival Lourd, organisé par Lourd Productions de mon chum Matt, du groupe Vast. Hein, c'était tic, 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 tic. Parle-nous de ça, vos shows à venir, dans le fond, toute la gang. Qu'est-ce qui s'en vient pour de mal en pire? Oui. Dans le fond, nous, comment qu'on a procédé pour le lancement de l'album, on s'est dit que ben, l'album est sorti en mars, puis le timing de show en mars, avril, mai, c'est plus ou moins fort au Québec. Donc, on s'est dit, ben, on va sortir l'album, le monde va avoir le temps de l'écouter, puis on va faire une série de shows en juin
à peu près n'importe où au Québec. Fait qu'on a un set date, là c'est un petit spoiler, là. On a un set date. Oui, parce qu'il n'y en a pas sept. Non, ça. Il y en a sept qui vont sortir, je dirais, au courant de la semaine qui s'en vient. C'est sept dates juin, c'est une semaine de fin de semaine, comme on peut, là, donc les 10 samedis. Puis, ça va être tout pour nous autres. On a quelques petites surprises, mais je vous dirais de rester à l'affût sur nos réseaux pour pouvoir voir la suite de après ces shows-là, qu'est-ce qui se passe. Fait que je vous en dis pas plus. Puis pour les shows, ça, on commence le tout avec le Festival Lourd le 31 mai, qui est suivi ensuite de Montréal. Ensuite, on a le 14 à Sherbrooke. On a le 21, puis là, ça, c'est un petit avant-goût pour les Metal Minded ici. 21 juin, c'est à Sainte-Thérèse. On a le 22 juin à Drummondville, 28 à Québec et 29 à Trois-Rivières. Yeah! C'est hot, ça. Ben moi, je vais être là le 31. Je vais être c'est dans mon hood. Puis, spoiler alert, je vais avoir du fun. C'est ma fin de semaine de fête. Fait que je vais venir fêter ma fête avec vous autres. Moi, ma fête, c'est le 1er juin, dans le fond. Fait que le 31, je vais être là pour avoir du fun avec vous autres, puis fêter ça. Puis, Matt, il me parle beaucoup de son beau festival, puis j'ai bien hâte d'être là. Pour le supporter, je peux pas être là les 3 jours. Mmh. On s'entend, j'ai 3 enfants et une vie très chargée. Mais j'ai décidé que la journée que je pouvais y aller, c'est le 31. Fait que je tombe sur votre jour. La dernière, dans le fond, il me reste une dernière petite question pour toi. On va finir l'épisode avec ça. Après ça, je te laisse la parole pour un petit mot de la fin. Le nom du groupe, de Mal en Pire, d'où ça vient? Qu'est-ce qui a inspiré ce nom-là? Puis je trouve que c'est vraiment un nom qui reste en tête. T'sais, c'est facile de se rappeler de Mal en Pire. Puis j'aime beaucoup, beaucoup ce nom accrocheur. Donc, ça vient d'où? Quelle a été l'idée derrière le nom du groupe? Ben c'est venu en studio, carrément. On n'avait pas de nom de band quand on a commencé à enregistrer nos 10 chansons. On avait une première esquisse, mais qui était anglophone parce que, comme j'ai mentionné au début de l'épisode, on avait des textes en anglais. Donc, c'est quoi le nom de la première esquisse? Je ne peux pas dire ça. OK. Shit. Fait qu'on on s'est réunis ensemble, puis on a commencé à faire une petite session de brainstorming, puis c'est notre guitariste Michael Mongeau, qui était à la basse à ce moment-ci, qui est sorti de Mal en Pire. Donc c'est l'expression qu'on connaît, c'est de mal en pis, mais en faisant une petite recherche anciennement, au 13e siècle, en France, ça se disait de mal en pire. Puis on était comme de mal en pire, il y a de quoi de mystérieux, il y a de quoi d'obscur, puis ça nous interpellait aux 3 gars. Puis on est comme tu mentionnais, la sonorité, là, comment que ça roule dans la bouche, fait qu'on s'est dit, ben ça va être ça notre nom. Puis je pense que c'est bien qu'on ait tombé sur ce nom-là parce que nos textes sont très, très dark. Si vous avez la chance de les lire, c'est quand même pas, comment je peux dire ça, c'est obscur, mais c'est plus émotionnel. Fait que tu sais, avec le nom de Mal en Pire, ça fait juste expliquer pourquoi que le contenu est obscur. Donc, voilà. Hey, j'ai eu une petite dernière question qui m'est venue à la fin. Dans le fond, votre album, vous êtes DIY, self-release. Quel format est-ce qu'ils sont disponibles aux gens? On a le format numérique, bien sûr. Donc, YouTube, Spotify, Deezer, tout ce que tu veux. Sinon, on a des formats physiques, on a fait CD. On voulait faire des vinyles à la base, mais on s'est dit, comme première œuvre, avec les coûts que ça coûte, on n'est pas encore une très connue au Québec. On s'est dit, on va garder ça pour plus tard. Fait qu'on a des CD disponibles qui peuvent être commandés sur Bandcamp. Sinon, si vous venez dans le show, il va nous en rester. Donc, voilà. Ouais, je vais clairement me le pogner le soir du 31. Je ne paierai pas du shipping pour le fun, puis je vais vous donner l'argent en main à la place. Je suis réservant. C'est bien parfait. Donc, merci beaucoup, Rémi. Je t'offre un petit mot de la fin. Après ça, je mentionne toutes les dernières choses qui s'en viennent pour la prochaine semaine. Metal Minded, donc, petit mot de la fin de ta part.
Donc, si vous êtes le band, si vous êtes curieux, googlez-nous, allez sur notre site, allez sur Facebook, Instagram, tout le talent. On est là, on est présent. Allez écouter notre album Sans mots, qui est notre premier album, qui est d'une durée d'environ 49 minutes, 50 minutes. Donc, encouragez-nous, pardon, si vous aimez le contenu ou les chansons qui ont été sorties jusqu'à présent. Super. Ben, merci Rémi. Ce qui s'en vient pour Metal Minded, donc mercredi prochain, bien sûr, les épisodes hebdomadaires. À toutes les semaines, on s'installe, on prend une bonne bière, on jase de ce qui nous fait triper ces temps-ci pendant environ une heure et demie de temps. Donc soyez là, on va avoir du fun comme d'habitude. Dimanche prochain, épisode que j'affectionne aussi énormément, un nouveau petit projet au Québec qui s'appelle Les Gueuleuses. Donc, on va recevoir des artistes qui gueulent au Québec. On va jaser des femmes dans la scène métallique. Donc, vraiment un superbe épisode à venir. Louise, qui est déjà venue chez Metal Minded pour son groupe Hands of Death en plus. Donc, on risque d'avoir bien du gros fun encore. Et jaser metal. Donc, bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir nos sponsors et partenaires. Donc, notre gang de poilus. Et nos beaux sponsors, bien sûr, comme je mentionne toujours, qu'est-ce que tu vas crisser là? Pouilleuf Destruction, Horreur FM, Dr. Poivre et Crypt of Dr. Gore pour le meilleur contenu horrifique, métallique, voyage. Sinon, allez aussi voir Pub à la dérive, coordonnée chez Jerry et Mélogie Musicraft. Donc, n'oubliez pas de like, subscribe à tous ces beaux projets, à notre projet et au projet de Mal Empire. Donc, je vous encourage fortement d'aller voir leur site web, que je trouve vraiment fantastiquement bien fait, et de les supporter dans les shows à venir. Si vous êtes en Outaouais comme moi, venez au show du 31. Matt a travaillé fort sur le festival lourd. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit festival de ce format-là. Ici en Outaouais, pas grand-chose qui se passe des fois. Ça va faire énormément du bien de voir ce beau show-là. Donc, sur ce, merci à tout le monde dans le chat. Merci à toi, Rémi. Et merci à tous pour une belle soirée. Donc, bonne fin de soirée et on se rejoint très bientôt. Cheers!